vélo tous les jours, exactement. Hein? J'amène le petit à l'école avec le vélo, je le ramène. Je fais beaucoup de cross aussi. Je pense qu'il manque pas mal de zones vertes sur Salon, ça c'est bien vrai. Quoi. Il faudrait les multiplier un peu quand même. Ce serait une bonne chose. Si éventuellement pour descendre en ville, c'est plus simple que de prendre sa voiture, ça je suis d'accord. Par contre, voilà, non, c'est pas pour aller travailler, j'en aurais pas besoin. Donc ce sera uniquement pour aller me balader. Ouais. C'est dangereux, je pense. Dangereux. Il faudrait que les gens prennent conscience qu'un casque, c'est quand même important en ville, quand on fait du vélo. Il faut pas se flasher sur un vélo, il faut choisir un vélo par rapport à l'utilisation qu'on en a. Alors, quel type, voilà. Soit urbain, soit un modèle VTT, mais un VTT en urbain, ça va pas parce qu'on va salir le pantalon avec la chaîne et tout. On va pas avoir des pneus qui accrochent sur le bitume et inversement. Donc il faut vraiment choisir le vélo par rapport à l'usage. Moi qui suis pour le petit commerce, je suis plutôt pour le petit revendeur de vélo qui va pas le vendre beaucoup plus cher d'ailleurs et qui par contre va proposer une garantie, un SAV que vous aurez pas en supermarché. En supermarché, ils vous vendent le paquet de pâtes à côté du vélo, on peut pas faire du SAV. Donc il faut à mon avis aller vers le petit commerce de proximité. Il y a deux grandes tendances, il y a le VTT, donc le vélo loisir, un VTC, VTT. Et maintenant il y a une nouvelle tendance qui va de plus en plus fort, c'est le vélo urbain, parce qu'on délaisse la voiture en centre-ville pour faire du vélo. On le voit avec l'explosion du Vélib, etc., des vélos en libre-service. Beaucoup de gens reprennent le vélo pour aller au travail, pour aller faire leurs courses, pour aller au cinéma, etc., donc dans des zones urbaines. Donc il y a une explosion du vélo urbain. Le vélo, c'est quand même le moyen le plus simple, le plus pratique, le plus économique, le plus écologique. Voilà, le plus écologique pour pacifier la ville. Hein. Qu'est-ce qui a avancé? Donc, il y a des aménagements nouveaux qui ont été faits. Il y a aussi une prise en compte, puisque nous avons quand même cette charte qui a été signée, qui devrait être renouvelée en 2008, qui est une charte de partenariat. On essaye de faire un échange intelligent avec la municipalité, avec les services techniques, pour l'installation de pistes d'aménagement cyclable. Hein. Et il faut savoir également que tout ce qu'on appelle zone 30 sont aussi des aménagements cyclables, c'est-à-dire ce sont des zones où la voiture ne doit pas dépasser 30 km/h. Il faut savoir qu'entre 30 et 50 km/h, la différence, c'est la mort. Donc ça, c'est énorme. Le casque, les gants, le klaxon et un petit rétro. Les trottoirs, ce sont pour les piétons. Les vélos vont sur la route. Par contre, on accepte s'il y a un enfant en bas âge, un petit qui est avec ses parents. Mais sinon, on n'accepte pas, c'est refusé. Le trottoir, étant donné qu'il y a des piétons aussi, il peut y avoir des personnes âgées. Le cycliste peut faire renverser une personne âgée. Moi, je conseille le vélo de se mettre sur la route et de faire attention. C'est la seule solution, un casque, une sécurité. Comme vous voyez, il y a beaucoup de circulation, surtout quand il y a samedi après-midi. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire si on veut se déplacer plus facilement en vélo. Le programme de la mairie, il faut qu'on les affine encore. Mais l'objectif, c'est d'arriver à relier en fait le centre-ville de tous les quartiers de Salon. C'est d'arriver à circuler en vélo dans les quartiers de Salon et à l'intérieur du centre-ville. Donc c'est des projets, je dirais, court, moyen et long terme, parce qu'il y a des travaux qui ne pourront pas être faits tout de suite. Mais c'est vraiment notre ambition. We'll be right back.